Certains imaginent que pour vivre le grand amour, il existe une potion magique. Non, il n'y a que les sentiments qui agissent. Ouvrir son cœur, c'est faire en sorte que chacun se libère de la froideur de l'hiver. Le cœur à l'ouvrage. M'entendre parler sans plus un brin de romantisme devant ma glace et ma hantise. Je ne veux pas d'un cœur de glace comme la banquise. Alors l'amour je cultive avec mon cœur en guise de décideur ultime. Il me guide dans mes choix, m'accompagne dans mes peines et mes joies. Il harmonise mes rires et mes pleurs, conditionne mes certitudes et mes peurs. C'est le plus bel organe du corps humain. Et si j'ai la main sur le cœur, j'ai le cœur sur la main. J'ai rencontré l'amour un matin de septembre. Très vite la main j'ai su l'attendre. Je n'en ai pas perdu mon latin et cet amour pendant 2 ans j'ai su l'attendre. Longue fut l'attente et les premiers temps sa passion fut latente. Mais les sentiments se sont intensifiés et je lui ai fait comprendre qu'au passé il ne fallait pas tensifier. Moi aussi l'amour je l'ai intensiflé. L'amour se conjugue à tous les temps, d'où l'étrange sentiment que dans nos cœurs sa présence reste hallucinante. Les cœurs de pierre se ferment dans le ciment, de nos jours l'amour se perd, c'est mon ressentiment. L'amour se conjugue à tous les temps, d'où l'étrange sentiment que dans nos cœurs sa présence reste hallucinante. Les cœurs de pierre se ferment dans le ciment, de nos jours l'amour se perd, c'est mon ressentiment. En amour j'avance, la main sur le cœur, contre vents et marées. Et je m'en fous des moqueurs et des gens qui vont se marrer. Félicitations à ceux qui se sont fiancés et qui vont se marier. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage, avant le naufrage des vrais sentiments. Je vous dis ça gentiment, mais il y a beaucoup de gens qui mentent sur leurs vrais sentiments. Si en amour les gens sont si muets, et qu'ils sont si nombreux à simuler ou à insinuer, c'est peut-être qu'ils sont si méfiants, qu'ils n'ont donné à leur cœur au final qu'une place insignifiante. Certains sont en amour doués, d'autres beaucoup plus durs à m'adouer. La plus grande de mes douleurs serait de ne pas réussir à ouvrir mon cœur vers celle que j'aime et qui y croit encore. Nous sommes inséparables comme la mer et le sable, et notre amour est insubmersible lorsque les doutes sont à sa merci. Et si l'on s'apprécie autant, c'est que l'on est conscient que précieux est le temps. Je reste précieux en relatant quand mon cœur parle, car je sais que lorsqu'elle m'attend, c'est pour moi que son cœur bat. Ouvrir son cœur, c'est faire en sorte que chacun se libère de la froideur de l'hiver. L'amour se conjugue à tous les temps, d'où l'étrange sentiment que dans nos cœurs sa présence reste hallucinante. Les cœurs de pierre se ferment dans le ciment, de nos jours l'amour se perd, c'est mon ressentiment. L'amour se conjugue à tous les temps, d'où l'étrange sentiment que dans nos cœurs sa présence reste hallucinante. Les cœurs de pierre se ferment dans le ciment, de nos jours l'amour se perd, c'est mon ressentiment.